Plop les gens, de retour sur Dandara, la suite. D'ailleurs, comme vous avez vu, si j'ai le clavier souris. Bref, j'ai des nouvelles options. Mais comme j'ai pas lu ce que c'était, faudra que je revoie la vidéo du live. Bref, tant pis. On en était à continuer tout simplement. Six paramètres du jeu, je vous avais dit, voilà, drapeau supplémentaire, mode triche, avec énergie limitée, retour à la vie dans la même salle. Nettement moins intéressant. Ajoute davantage de drapeau au niveau du sel pour te faciliter de la tâche. Ok, retour. Reprendre la partie, on a dit. Donc, j'ai pas décidé, je vais aller en bas. Parce que de mémoire, en bas, j'y n'y avais pas. Je pensais être bloqué, alors que pas du tout. Donc ça fait partie de l'exploration que je voulais faire avant de découvrir la zone chelou. Ok, il y a les bulles qui me suivent. Qu'est-ce qu'il y a ici? Des gribouillis insensés remplissent un vieux carnet à peine relié. Les larbins d'Eldar sont trop forts. Comment pourrait-on franchir les murs d'or de sa forteresse? Quel genre de résistance j'ai bien pu susciter? Tout ce qu'on fait, ou plutôt tout ce que je fais, semble futile. Est-il possible d'entrer au moins? S'il le faut, j'étudierai les œuvres de l'écrivain pour me rafraîchir la mémoire. Mais l'écrivain se trouve de l'autre côté d'un désert. Ses fruits sont depuis longtemps devenus sable. Je l'ai croisé, lui. Ah, punaise. J'espérais appuyer sur B pour sauter le texte que j'avais déjà lu. Et au final, je prends une potion pendant la lecture du texte. Ces pierres arborent des dessins gravés à la main. Au sommet d'un immense mur d'or, on voit un couple hilar qui porte des chaînes de fer. Tout en bas, parmi les bâtiments anciens, et une mer de sable. Hein ? Parmi les bâtiments et une mer de sable, un groupe de gens pleins de couleurs se tient la main. À l'ombre du mur gigantesque, ils tiennent leur position malgré les vents du désert, des réminiscences. Ok, rien compris de l'histoire, mais je l'ai lu, j'ai essayé. Le danger d'or. Oh punaise. Ah ok. Bois primordiaux. Limite de la santé mentale. Est-ce qu'on pourra revenir ici? Je vais où là? Là je remonte, ok. Oh punaise. Chemin d'or. J'ai pas l'impression d'aller là où il faut. L'arsenal d'or. On longe des salles en fait, mais. Non. Thank you.
Je pense qu'il va falloir que j'aille dans le monde bizarre pour pouvoir spawn entre guillemets à l'intérieur de la forteresse. Ça. Pourquoi il y a ces zones ici? Après, tout ne peut pas forcément être compris tout de suite. Bois primordiaux. Ah! Le jeu a l'air vachement plus étoffé que ce que j'aurais dit au premier regard. On va aller là où on peut pour le moment. Vite! Dès qu'on arrive, porte eldérienne. Ah, s'il y a des portes, ouais, mais d'accord. Non, par contre, j'affronte pas tout ça. Oh punaise. C'est la mort. Carrément, il y a un tir qui est venu jusqu'ici. Non, oui, là. Au revoir. Forcément, on n'a pas de sous, évidemment. Si je voulais revenir ici rapidement. Parce que de mémoire, j'ai les squelettes et tout par ici. Non, c'était pas là, ok. Désolé, tout ça pour rien. C'est pas très long. C'était où? Ou alors c'était en arrivant dans cette pièce. C'était pas... J'avais l'impression que c'était juste ici. Non, même moins loin. Là. Pourquoi là il y a des parties? Attendez, je vous montre avec la souris. Pourquoi il y a les blocs là, comme ça? Tout ça là, j'ai jamais été. Et pourquoi il nous montre que bah. Il y a des parties comme ça. Bref. Alors je peux retourner là-bas. Je pourrais retourner ici juste pour revenir dans le monde et essayer d'explorer par en bas. Est-ce que ça marche? Oui. Ici j'ai pas du tout exploré. Mais sinon, si je me retrouve coincé, bah, je vais devoir refaire exactement le même chemin et revenir. C'était où? C'était là. Ou descendre dans le cœur, d'ailleurs. On pourrait descendre dans le cœur si on refait un tour pour pas grand chose.
Sinon ici, on peut explorer toute la partie violette. Donc je pense qu'on va faire la partie violette. Entrée de la capitale, capitale de l'intention. Alors, non, en bas on en vient. On en vient, on y a été. Alors ici, on peut monter, on va voir. Petit à petit. Bonjour monsieur. Madame. Ça s'appelle comment cette pièce? Rotation latérale. Capitale de l'intention. Rotation latérale. Ok. Oh mince, non c'est bon. Ok, on va quand même essayer d'aller là-haut. Il y a quelqu'un. Cecilia, solitude. Oh, on ne peut que descendre, on dirait. Alors là, on peut aller à droite. On va y aller, c'est le plus simple. Club Petite Cabane. C'est méchant. Ok. On va prendre une potion. Je pense que c'est un peu tôt par rapport à mon nombre de PV et combien elle régène. Mais j'aurais dû prendre un peu plus de PV pour être plus safe. Coulisses du club. Ah. Du coup, si on va là, on peut plus revenir en arrière. Mais si on va là, on a l'air de pouvoir descendre. Et revenir en arrière, c'était que la petite pièce là en bas. Donc, on y va. Décor. Ruelle arrière. 540 L et une carte. C'est la carte. Non. Brassard du patient. Dépensez de l'énergie dans la foi et la patience. Le danger vous passera à travers sans vous blesser. Quoi? Elle t'est parée. Ok, et là, le mana devient intéressant. Rue du dépotoir. Ah, ok. Ok, et ok, ça n'a l'air de fonctionner que si on est à l'arrêt. Et on revient dans la salle ici. Parfait, donc en plus on n'a pas exploré pour rien. Sauf qu'on n'a pas vu ici. Hein? Comment ça on n'a pas vu ce couloir là, cette salle? Ok, c'était là. J'ai juste pas fait gaffe. De recyclage. 975 selles, on n'aurait pas pu s'en passer. Passage de l'heure. De l'air. on a tout exploré en fait ici.
là-bas, j'avais une pièce à droite. Ouais, tant pis. C'est trop en mode rush pour espérer y faire quelque chose. Non, ici je peux pas monter. Ça, j'ai fait mon petit tour, mais en fait, il n'y a rien non plus ici. On va retourner au point d'entrée ici, hein, je pense. Parce que là, c'est bien, j'ai le bouclier. Mais ça ne me protège... Je pensais que j'aurais un truc pour faire tourner ça, quoi. J'ai des sous, alors un cœur ou plus d'énergie, un cœur quand même. Dépenser de l'énergie dans la foi et la patience, le danger vous passera au travers sans vous blesser. Fait surgir depuis le passé, oublie un faisceau dangereux qui peut éclairer de nouveaux chemins. Faut que j'essaie de l'utiliser ça. Est-ce que je peux le faire tirer ? Ou alors c'est lui qui sert à faire tourner les... À faire tourner les... Comment ça s'appelle ? Les plateformes ? Pour essayer, parce que ça parle d'éclairer de nouveaux chemins. Je m'en suis pas servi pour avoir un nouveau chemin jusqu'à présent. J'ai juste compris que ça pouvait me bloquer et faire des dégâts. D'ailleurs, j'en ai posé deux, je ne peux plus en utiliser, j'ai plus de mana. Donc ouais, le mana, ça va devenir important.
Non, je vais pas revenir ici juste pour essayer. Et si j'ai pas été ici, je crois que j'étais bloqué. Je crois qu'ici j'étais bloqué et qu'ici j'ai pas vu, mais voilà quoi, c'est trop dangereux. Bah, je vais retourner ici. Hein. Je vois que ça. Qu'est-ce qu'il met ? Ah ! Essayer de descendre dans le cœur du coup et voir si on peut prendre la porte tout au sud, mais sinon ça va être la même chose que tout à l'heure. Ou alors... Ouais, mais ce serait bizarre quoi. Essayer de tirer à des endroits comme ça... Je veux bien, mais c'est très aléatoire. J'ai deux tirs, autant dire non.
Donc là, au-dessus, il y a une zone qui dit être très difficile, et c'est ce grand trait rouge. Si j'y vais, ça fait des dégâts. Oui. Ok, là, il y avait un trou. Il y a une page rouge arrachée et incarnée sur le sol et couverte d'une belle écriture. Non, ça j'ai déjà lu. Ok, non, c'était que ça. Je voulais vérifier si c'était profond ou pas, voir si c'était un truc où je fallait tirer. Non, mais ça non plus. Non. Acte de méfiance. J'ai tellement l'impression qu'il me manque des pouvoirs à peu près partout où je vais. Alors là, non mais au mieux je tire ici quoi. Même en tirant là-bas, le crâne va pas se mettre à tirer là où je veux. Donc ici c'est mort. Tout au sud du coup. Si le sud veut bien dire quelque chose. Ah oui, mais ici aussi c'est mort, je peux juste pas y aller. Non, en fait, je suis revenu ici pour rien. Tout simplement. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je peux pas monter là-haut, ni dans la pièce juste au-dessus de moi là, ni dans la partie à droite au même niveau. J'ai déjà fait tout ça. Théoriquement, j'ai tout pris. Tout ça, normalement, j'ai. À part retourner voir le gars qui est là, je vois pas ce que je pourrais y faire dans toute cette zone. J'étais là.
Oui, bah oui, vu que je suis traversé. Toute la partie à gauche ici, on s'en fiche, même s'il y a des choses intéressantes. Je ne peux pas. Et surtout ce truc rouge là qui est intéressant pour le moment. Enfin, en visible. Ici, il y a les trucs qui nous empêchent de tourner. Ou alors, faut que je réussisse à tirer ici pour que. Ça détruise les racines et peut-être que ça activera un truc. C'est en mode pas mal aléatoire déjà. Et sinon, aller jusque dans la pièce ici, continuer. Parce qu'en bas, je crois que j'étais vraiment bloqué. Tu sais pas quoi faire. Des sous, non pas assez. Souvenirs. Pas grand chose non plus. Non, ici ça sert à rien. Du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit je vais ici en bas à droite ou. C'est tout. C'est le seul endroit où je vois. Je vois quelque chose à faire. Non. C'est pas s'embêter à tuer des gens. Effectivement, j'aurais pu passer là. L'honneur d'or. Là, avec lui et son rayon laser, on a le temps de bouger entre temps. Enfin, de tirer, je veux dire. Attendez. Oh punaise. Serrure de raisonnement. Et il y a une partie dans le monde des ombres, ok. Ok. On a l'air de. Alors ici on aurait pu revenir en fait. Si on avait fait le tour par en bas, ok. Non, ici ça a l'air d'être l'endroit où il fallait aller. Qu'il va falloir qu'on se fasse tirer dessus et qu'on ramène le tir, je ne sais trop où.
Non. Ok, le corps. On va condamner le corps pour le moment. Campement découvert, très bien. Parfait. Serrure de raisonnement. Alors, si on a un campement, on a un endroit safe. Qu'on va pouvoir le commerce central. Pour une cinquantaine de sel. Oui, mais du coup maintenant, ouais, y a plus rien quoi, c'est tout. Potion avant de mourir. Coin des discours. Il y a des yeux de madame. À gauche plutôt. Ok. De l'aigle. Oh là là! Une potion de mana pour la peine. Ça valait le coup. Cette énigme valait largement le coup. Bon. Ici, on peut redescendre et va crever, quoi. J'ai envie de dire. Je pense que j'aurais pas dû aller par un... Rotation latérale, oui, d'accord. Alors là, faut faire gaffe à où on atterrit.
Sinon, on peut devoir faire tout le tour en comptant la muraille. Et c'est pas que c'est long la muraille, mais un peu quand même. Chemin du calcul. Merci. Nouvelle potion, même si c'est un peu tôt normalement. L'angle parfait. Quel pouvoir est-ce? Verre de terre. Vaporisation logique, énergie vivante qui se déplace rapidement et se réfléchit avec une précision géométrique. J'ai envie de dire non, vu que j'ai pas le truc pour tourner ces plateformes là. J'ai pas ce qu'il faut. S'il te plaît, indique-moi mieux que je t'indique une direction pourrie. Oh. La créature a laissé tomber un message ici. Demande officielle. Connaissance. Soldat 4BXL. Position près de la grotte de béton. Gueule sanglante. Apparition. Ouverture.
Intéresse le sel? Utile? Point de rendez-vous? 4BXL, je soutiens, j'aide, je suis utile. But d'or. Un cachet rouge conclut ces mots. Tant mieux, parce que j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Ah, j'ai jamais été en bas là. Dandara. Augmenter l'énergie de base. Ça, les potions. Donc là, on peut pas aller. Pom pom pom. Chemin logique. Je suis pas sûr. Si des gens. Logiquement, on peut faire un tour. Ah, j'ai oublié. J'avais vu un... Non ? J'ai l'impression de voir une étincelle ici. Est-ce que c'est là ? Un morceau de papier était glissé entre les briques. JB. Nos forces s'amenuisent. Il n'y aura bientôt plus de résistance dans la capitale. Nous avons connu tant de pertes face à Eldar, à l'oubli, à ses horribles gueules. Olga, Agenor, Cecilia, Dandara, Dwilia, je m'efforce de garder leurs noms en mémoire et de les écrire partout. Il ne faut pas les oublier. Tant que nous en souviendrons, le sel s'en souviendra aussi. Tant que le sel se souvient, il reste de l'espoir. Lem. Oui, d'accord. Le sel se souvient. Il y avait donc bel et bien un petit message que j'ai failli louper. Du coup, j'ai profité de du retour de la grotte, enfin du passage là, pour passer promenade d'or. Ça m'a surtout pas l'air d'être une promenade de santé. Mais ça passe facilement en fait. J'ai plus peur de cette salle là, de vrai. J'ai bien fait vu que là j'ai perdu un PV. Enfin, j'avais raison, je sais pas, comme vous voulez. Carré de l'intention. Mon intention c'est de pas utiliser ces... de bouche là. Ok, donc si on passe par là, on revient pas tout de suite. Ok, mais je pense. Ok, boss. Mini boss. Oh là là. Ok, potion. Wouah, il enlève 3 PV d'un coup. Mais ça va, il a pris cher. Alors. Oui.
ça grince tout d'un coup. Ah, encore une autre zone. Berceau de l'intention. Alors en haut, en bas, c'est censé être identique, sauf que en bas. Oula. On a vu quelqu'un. Rufio, folie furieuse. Ok, on va enfin pouvoir. What? C'est des gens à droite? Utiliser les trucs là, les retours. Pierre de l'intention, le symbole de la pensée rationnelle. Le côté de l'intention, succès. Le symbole de la pensée rationnelle et de l'intelligence. Déverrouille de nouveaux angles pour ces transporteurs. Ah, suffit d'appuyer sur A, ok. Ok, c'est facile à utiliser. Par endroit, le sel se déplace à vive allure, mais perd de sa précision. En se laissant guider par l'intention, on peut créer indéfiniment. Malgré sa puissance, la capitale de l'intention manque de vie et ne trouve aucun écho en moi. Ses murs sont trop froids. Ce sont peut-être les parties sombres de nous-mêmes qu'il nous faut explorer. Mais Eldar, aveuglé par un insatiable désir, a choisi de vivre perpétuellement de cette façon. Capitale de l'intention. Ok. Ok, je peux bel et bien revenir de là où je viens. Ce qui me paraît correct pour aller sauvegarder. Sinon, je peux commencer à aller voir en bas, en haut, dans le monde des ombres. L'endroit où j'ai pas envie d'aller. Le plus loin en plus, le côté. Royaume caché. Place de l'incident. Ah, parce qu'en plus il y a eu un incident. J'ai vu un coffre, j'ai pas hésité. Hein. 1600. Ok, donc là on peut y aller. Sinon là on peut rentrer. Pour le moment donc on peut rentrer. J'ai pas trop compris à quoi servait la partie en haut. Ah si, là on peut aller à gauche et si on était passé en haut, on aurait pu aller à droite. Du coup j'aurais dû aller en haut, c'est pas grave. Défouloir en cas de stress intense, d'accord. Et il y a un passage pour entrer dans la muraille. J'ai l'impression que la partie dorée c'est peut-être pas la fin du jeu mais pas loin. En tout cas une bonne avancée dans l'histoire. J'ai pas envie d'y aller tout de suite quoi. Punaise.
pour être sûr, il n'y a bien rien en bas. Si je vais à cet endroit dans le monde des ombres, prendre rendez-vous de la gare. Place de la porte centrale. Verrou côté gare. Ok, ici c'est bloqué. Ok, parfait. C'est plus déjà l'endroit où je voulais aller ici. Sauvegarder tout ça et voir peut-être la prochaine fois. Il y avait un passage. J'ai pas vu le passage. Ça, ça. Punaise. Il y avait une porte et tout, je l'avais aperçu, mais. Porte centrale du passé, gare éphémère. Drapeau hissé. J'aurais peut-être pas dû aller là. Vieille bique. Ah, te voilà prise au piège, exactement comme je l'ai été. Oh oui, j'ai l'impression de regarder dans le passé, Dandara. J'étais comme toi, jeune et obstiné. Je croyais sincèrement pouvoir vaincre Eldar. Ha! Et regarde-moi à présent, si frêle et faible, le temps finit toujours par nous rattraper. Ne fais pas perdre son temps au sel. J'ai affronté Eldar lorsqu'il était bien plus faible, mais mon échec était inévitable. Tu crois que la liberté existe? Quelle naïveté! Fais la paix avec le temps, tant que tu le peux encore. Reste ici, avec moi. Je sais que ça te plairait. Nous sommes pareils, Dandara. C'est la moi du futur. Eldar était bien moins puissant quand je l'ai affronté. Et j'ai tout de même échoué. Tu sais que la liberté n'est qu'une illusion. Au fond de toi. Tu le ressens aussi, non? Non! Accepte-le, comme je l'ai fait. Trouve une voie plus facile. Bon, ben, adieu le jeu. Si le jeu lui-même me dit non. Oui, bon, ben. J'aurais dû aller sauvegarder, regagner mes PV avant. Clocher. Non! Ça a l'air long. Ça a l'air long. Mission du pousseur. Quoi? Aussi où j'aurais peut-être pu aller. Donc là, je peux revenir dans la ligne tout en bas. Ou explorer ici. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille tout... Enfin, il va falloir que j'aille tout en haut du clocher pour revenir dans la zone normale. Procrastination du gâcheur. En fait, à quoi ça sert que...
que je me batte entre guillemets contre lui, vu que je me bats pas vraiment. Ça me sert à aller là. Et aller là, si je finis tout le trajet, je peux aller à la sortie, un étage plus haut, et etc. Et monter dans le clocher. Oh! Non! Et j'ai oublié de sauvegarder. Ne t'embête donc pas. Reste avec moi. J'aimerais tant avoir un peu de compagnie. Dégage, vieil hippo! Et sinon, je pourrais explorer à gauche aussi. Oula non. Allez. Passé. Bon, je vous préviens tout de suite, je m'arrête dès que il y a la prochaine mort, porte latérale du passé. Ou que j'arrive à retourner. Oui. Ou si j'arrive à retourner au camp. Et j'ai l'impression que je peux. Je me dis que j'aurais dû rester avec la vieille, enfermée, et commencer par ça. Comme ça, j'aurais appelé la VOD prochaine complète le clocher, ou ascension du clocher, ou un truc comme ça. Bref. Je pensais qu'il faudrait que j'aille un peu plus... Comment dire ? Je pensais que ça serait plus difficile de sortir que qu'il faille que je monte un peu plus loin. Pour ça je l'ai dit, et puis au final, 10 secondes plus tard, je sors. J'hésite, plus d'énergie ou plus de... Normalement la potion c'est le mieux. Hein.
On a dit, on l'a fait avec la vie, donc on va le faire ici. Et là, en plus, on peut avoir une potion qui nous régénère entièrement tout. Donc voilà, pierre de l'intention, le symbole de la pensée rationnelle et de l'intelligence. Déverrouille les nouveaux angles pour les transporteurs. Et ici, donc dans cette zone-là, évidemment, il n'y a pas grand-chose à part ça où on va pouvoir l'utiliser. Ici, on peut utiliser, mais ça ne va pas servir à grand-chose. Ici aussi. Donc peut-être quand on se sentira prêt à essayer d'affronter la zone méchante. Ici, il faudra pas oublier ici. Et c'est tout. J'en avais vu avant, je crois, mais peut-être pas dans cette zone. Et sinon, ça peut nous servir peut-être à rentrer ici. Ou en tout cas, à faire un bout. Voilà. Surtout cette zone-là que j'aimerais garder en tête, parce qu'ici, il y a un coffre de mémoire. Sur ce, j'arrête ici pour cet épisode. Et je vous dis à bientôt.